Salut, ça c'est la caméra que j'utilise tous les jours pour mon travail professionnel. Super qualité, super stabilisation grâce à son pied. Mais des fois je vous avoue quand même que je préférerais qu'elle prenne un petit peu moins de place. Aujourd'hui, on va voir si on peut avoir la même qualité avec un smartphone. C'est pas mal du tout, hein. On a vraiment une belle qualité. Si on compare avec ce que peut filmer le GH5 par exemple sur des décors à peu près identiques, on voit quand même que la qualité du GH5 ressort, mais pour un petit appareil qu'on peut avoir dans la poche, qu'on peut sortir à tout moment, à brûle pour point comme ça, en train de visiter une ville, on se dit tiens, un super monument, hop, on sort l'appareil, on peut filmer en 4K, c'est vraiment super, même celui-là il peut filmer en 8K. À 24 images par seconde, ce qui est largement suffisant pour faire des films, des fictions, etc. Pour faire des reportages ou des plans sur un paysage, c'est un petit peu limité. Mais le gros intérêt du S21, c'est que le S22 vient de sortir. Il n'améliore pas grand-chose, donc au niveau de la qualité de la vidéo, les deux se valent. Mais le S21 est 30% moins cher, donc évidemment, j'en ai profité pour le demander à mon anniversaire et je l'ai eu. Donc super cadeau, j'en suis hyper content. Les modes pour filmer compense largement le fait qu'on n'ait pas d'objectifs interchangeables, parce que là ils ont mis une batterie d'objectifs qui permettent de faire du grand angle, de la vue normale, du zoom et un super objectif périscope qui fonctionne en entassant des petits bouts de verre qui font un zoom à l'intérieur du téléphone et qui permettent d'augmenter x10 le zoom, la qualité de l'image n'est pas détériorée. On se retrouve donc avec un des points faibles des smartphones que je trouvais en fait quand on zoomait numériquement et qu'on se retrouvait avec une image très floue, et ben ce point faible est pallié par la possibilité d'utiliser les différents objectifs présents sur l'appareil. L'autofocus est super performant, la stabilisation elle est très bonne, il y a des fois où ça marche pas hyper bien. Par exemple, quand il y a du vent et qu'on utilise le x3 ou le x10, bon bah là, ça tremble un petit peu. Je vous ai mis quelques exemples. Mais bon, grosso modo, pour quelque chose qu'on peut sortir de sa poche, filmer à la main, le ranger, et on a une vidéo de qualité très proche d'une caméra comme celle que j'ai montrée au début de la vidéo, que ce soit un GH5 ou un Sony, on a vraiment du 4K assez fidèle sur ça. Les contrôles manuels, quand on met le réglage pro, sont pas mal du tout. Donc là, enfin, un smartphone qui s'approche de la qualité qu'on peut espérer d'une caméra de semi-professionnelle comme le GH5. Et donc du coup, avec un côté hyper pratique qui permet de filmer à tout moment des images de vraiment de très bonne qualité. Enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était pas le cas jusqu'à présent. Donc là, on est sur une génération de caméras vraiment très performantes avec lesquelles on peut filmer des reportages, des clips, des fictions, vraiment sans, surtout pour YouTube, sachant que YouTube va compresser ensuite la vidéo, la déperdition de qualité fait qu'on voit pas tellement la différence entre une caméra beaucoup plus chère. Hein, par exemple sur le GH5, l'objectif que j'ai, il vaut carrément le prix du smartphone lui-même. Donc c'est un investissement bien moindre, environ 3 fois moins cher, et qui donne des résultats vraiment très proches. Donc une super surprise. On peut enfin dire qu'on peut filmer avec un résultat semi-professionnel, avec une caméra qui tient dans la poche. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour encourager le référencement sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao !